Dans ce marché de volailles de la capitale nigérienne, c'est une effervescence particulière qui y règne. Au Niger, la volaille constitue la viande la plus prisée dans la préparation des mets le jour de la fête de Ramadan. On trouve ici des poulets et des pintades venus de la sous-région et ceux issus de l'élevage local. À quelques jours de la fête de Ramadan, les revendeurs se sont approvisionnés pour satisfaire la demande sans cesse croissante. On a amené aujourd'hui plus que 6 000 poulets. Voilà ce qui reste seulement. Et demain, on compte amener à peu près 4 000 ou bien 3 000 aussi. Et ça va finir. Et aujourd'hui et demain, par exemple, si vous avez à peu près 10 000 ou bien 5 000 poulets, les gens peuvent acheter tout. Ici, dans mon niveau, moi, je peux vendre jusqu'à 5 000, 10 000. Vraiment, c'est à cause de la grippe aviaire que nos genres de poulets, d'élevage que les gens l'appellent, il n'y a pas beaucoup de disponibilité pour ça. Si ça aurait été que les poulets sont beaucoup, les gens sont obligés de diminuer les prix des pintards, les prix des volailles, tout là. Parce que là, à chaque fois, là, ils finissent de pondre et on met ça en vente. Nous, chez nous, c'est des 2500, je vous ai dit. Il y a 2500, il y a 3500, il y a 4000, il y a 5000, il y a 8000. C'est des différentes variétés de poulets qu'il y en a. Les pintards, nous, on ne dépasse pas vraiment 4000. Nous, on ne dépasse pas 4000. À Niamey, plusieurs points de vente de fortune ont vu le jour. Ils ont pour objectif de créer une certaine proximité et rendre plus accessible la volaille aux populations. Les prix diffèrent d'un point de vente à un autre. Abordables à certains endroits, trop chers pour d'autres, les avis sont mitigés. Nous sommes à l'approche de la fête, je suis venu ici chercher de la volaille. Seulement que nous avons trouvé que la volaille est disponible, mais le prix encore est très élevé. Je trouve que le prix est très élevé parce que même hier au niveau de Rampo Francophonie, j'ai trouvé de la volaille là-bas, 3 500. Et ici, je viens maintenant, on me dit 7 000, pour 7 000, il y a pour 8 000, il y a pour 10 000. Si je peux dire, la disponibilité des volailles, ils sont là. Il y en a, mais le prix est abordable aussi. Parce que moi, j'ai payé une vingtaine de poulets en raison de 3 000 francs. Et que la pintade, ils ont dit à 4 000, 4 500. Je pense que c'est un prix qui est raisonnable par rapport aux autres années antérieures où les gens se payaient les pintades à 6 000, 7 000. Ça va cette année. Le Niger importe la majeure partie de sa volaille, notamment du Burkina Faso et du Nigeria, pour couvrir ses besoins malgré l'existence dans le pays de plusieurs fermes avicoles.